Donc nous sommes actuellement dans le hall d'entrée du théâtre. Donc les matériaux utilisés dans le théâtre, vous avez essentiellement de la pierre, mais vous avez deux types de pierres. Vous avez la pierre de taille et les moellons. Et souvent, les moellons sont utilisés comme un milieu de remplissage. Dans les coins, c'est des murs en pierre de taille qui agissent comme des colonnes. À l'époque, une bonne partie de la façade était enduite de la chaux. C'était pour protéger les murs contre les infiltrations d'eau. Dans notre recherche sur le théâtre, nous avons voulu créer et ramener la façade telle qu'elle. Nos recherches nous ont emmenés sur des photos et des images de 1822. Et là, sur ces photos, nous avons vu comment la façade du théâtre a évolué dans le temps. Donc ces murs ont été tout le temps ravalés avec de la chaux, sauf à la dernière rénovation en 1994, où une bonne partie des murs en pierre de taille ont été laissés apparents.